Schwertlein, s'il vous plaît. Qui m'appelle? Pardon d'oser ainsi nous présenter chez vous. Vous voyez qu'elle a fait bon accueil aux bijoux. Dame Marthe Schwertlein. Me voici. La nouvelle que j'apporte n'est pas pour vous mettre en gaieté. Votre mari, madame, est mort et vous saluez. Cherchez quelqu'un qui le remplace. Pourquoi donc quitter ces bijoux? Ces bijoux ne sont pas à moi. Laissez de grâce. Qui ne serait heureux d'échanger avec vous la bague d'Hyménée? Oh, l'est-il? Hélas, cruel. Destiné. Prenez mon bras un moment. Laissez, je vous en conjure. Votre bras. Il est charmant. La voisine est un peu mûre, la voisine est un peu mûre. Nécessité, madame, dure nécessité, sans amis, sans parents, sans femme. Oh! C'est l'assiette encore au beau jour, c'est l'assiette encore au beau jour. Mais plus tard, combien il est triste de vieillir seul, on est égoïste. J'ai frémi souvent, j'en conviens, devant cette horrible pensée. Avant que l'heure en soit passée, digne Seigneur, songez-y bien. Avant que l'heure en soit passée, songez-y bien, digne Seigneur, songez-y bien. J'y songerai. Je perdis ma petite sœur.
L'entretien devient trop tendre, esquivons-nous. Comment m'y prendre ? Eh bien, il est parti, Seigneur ! Oui ! Cher Seigneur ! Cours après moi ! Ouf ! Cette vieille impitoyable de force de creux, je crois, allait épouser le diable. Marguerite ! Cher Seigneur ! Serviteur ! Okay.
città. Adieu. Quoi? Je t'implore en vain. Attends. Laisse ta main s'oublier dans la mienne. Laisse-moi. Laisse-moi contempler ton visage. Laisse-moi contempler ton visage. Sous la pâle clarté bouche à ma base. Il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime. Oui, croisant cette fleur, éclose sous tes pas, qu'elle soit pour ton cœur l'oracle du ciel même. Il t'aime, comprends-tu ce mot sublime et doux.
Marguerite. Ma partire. Vienne. C'est chaussé. Lasci fare. Lasci fare. Vienne. Lasci fare. Lasci fare. Tenez, et l'ouvre sa fenêtre.